Bienvenue à toi, mon ami et mon ami animal aussi. Il faut jamais les oublier, les animaux. C'est super important. Ce soir, on se fait un stream un petit peu spécial dans The Big Game of Ski, et ce sera donc le stream numéro 162. Je tiens à les numéroter. Oui, c'est mon côté petit fonctionnaire strict qui fait que j'ai besoin de mettre un peu de classement dans la quantité de fichiers que je fais de partout. Ça ressemble un petit peu à une diarrhée numérique, si on résumait ça vulgairement. Ce soir, on se retrouve donc pour un stream un peu spécial par sa durée en particulier, puisque qu'est-ce qu'on va faire? On va se streamer Fallout 4. Fallout 4, 20 ans quand même qu'on se trimballe la licence, car sauf erreur de ma mémoire, c'est un truc qui date de 1997, hein, c'est bien ça. J'en sais rien, je ne me rappelle plus en fait, j'ai un petit poil de mal. Je vais retrouver 1998 pour la publication, donc j'étais à peu près bon. Donc on fête les 20 ans de Fallout, de fort belle manière, puisque je ne vous l'ai pas encore indiqué. Mais en fait, le jeu est gratuit. Non, 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 calmez-vous, descendez, pas à peine de rusher sur les DDL. Le jeu est gratuit, mais pas pour une éternité. Il est uniquement gratuit à partir d'aujourd'hui, 1er février 2018, jusqu'à ce dimanche. Donc, si vous n'avez jamais essayé cette licence, bah, premièrement, vous êtes un peu bête, parce que c'est un jeu qui est super riche et très dense. Et même si c'est pas votre style, le RPG, action et compagnie, ça mérite quand même d'y jeter un œil, donc je vous invite à faire comme moi, et à vous connecter sur votre Steam, et déjà, commencer à faire le download pendant que vous regardez ce stream, par exemple. Pourquoi regarder ce stream, me direz-vous? Alors là, oui, la question est grande. Bah, tout simplement parce que ce soir, je vais être très très aimable, et à la demande générale, je vais faire voir ma bouille. Ouais, très franchement, c'est pas mon kiff, hein, faire voir ma bouille sur les streams, donc profitez-en, je le fais uniquement sur les multis. Et là, oh magie du direct, oh intensité subtile et clic raté puisque je n'y vois absolument rien. Guy, on m'a cassé mes lunettes. This is the man. This is the fucking man. Je sais. Ok. Donc voilà, ça c'était pour faire voir que je peux faire quand même Boys in the Hood, sachant que c'est mon peignoir. Hein. Je suis à poil dessus. Eh oui, spoiler. Donc, ce soir, on se stream du Fallout 4. J'ai un petit problème technique puisque je n'ai pas la possibilité d'avoir des retours. Donc, je compte sur vous sur le chat de Twitch pour éventuellement signaler tout problème qu'il y aurait. Et oh, Android Windows qui passe nous voir. Merci, bonjour. S'il y a un problème d'audio du jeu en particulier, merci de me le signaler parce que en fait j'ai pas de retour malgré le dual screen parce que ce couillon de jeu, bah, comme d'habitude, fait une capture de l'écran et donc le deuxième écran n'est plus rafraîchi, celui où il y a tous mes retours comme par hasard. Je vais baisser un poil le son derrière. On va dégager ça, on va essayer de basculer sur le jeu sans violence, sans douleur, ni peine inutile. Veux-tu bien venir d'amener le jeu? Bon, dégage le chat. Alors, je viens de jeter le chat à la poubelle, tout simplement, parce qu'il a fait un bond absolument inattendu au moment le moins opportun, et il est tombé directement dans la poubelle. Je ne déconne pas, j'aurais dû filmer ça, c'est assez énorme. De toute façon, quand tu stream, c'est toujours là que tu te fais emmerder par tous les trucs du monde, c'est connu. C'est le principe de l'emmerdement maximal. Logiquement, vous devriez avoir du son, du jeu. Et l'image ne devrait pas tarder à venir. Donc patience, parce que c'est vraiment, vraiment, même en dual screen, c'est vraiment une merde à mettre en route ce stream. C'est une cata. Donc, le jeu devrait arriver maintenant. Top chrono. Et quand j'ai le jeu, du coup, je ne vois pas le chat, puisque je n'ai aucun moyen de rafraîchir l'affichage des retours. Donc, je vais laisser durer un petit moment. Je sais qu'il y a la fenêtre Fallout 4 qui est bloquée devant le stream du jeu, mais je vais rebasculer pour vérifier une réponse. On fait avec ce qu'on a comme moyen.
je ramasse la poubelle avec le chat qui était dedans. Je fais un petit check. Un check sur lequel on ne me répond pas. Je suis malheureux, je suis tristesse, je suis... malédiction. Allô le chat, vous me répondez? Est-ce que vous avez le son du jeu? C'est la question à 3$ de ce soir. Je laisserai ce chat noir tant que je n'aurai pas ma réponse. Alors, nouveau. Je vais admettre que vous avez le son du jeu. Je vais jouer dans le mode hypothèse totale. Bon, dans l'absolu, on va dire que vous avez le son, parce que j'ai vraiment aucune réponse et... On va y aller à l'aveugle. C'est super casse-burne de ne pas avoir de retour. À l'aveugle, tu vas y aller. Oui. On va dire que le son du jeu est bon. On va dire que vous avez le retour du jeu. On va dire que tout est normal. Et puis, de toute façon, les gens qui me connaissent savent comment me faire sonner le mobile ou un Twitter si nécessaire. Banzai, Fallout 4, donc, 20 ans déjà. Alors, cette licence a été assez controversée. J'aimerais bien avoir l'image du jeu, moi. Essayez, j'ai perdu l'image du jeu. Un stream qui démarre sans fail, c'est pas un vrai stream, c'est pas possible. Oh, la cochonnerie. Yes, on va peut-être y arriver. Alors, je suis sur le jeu, mais je n'ai plus aucun contrôle. C'est la fête au slide. Putain, ça va être un fail ce stream, ça va être juste dramatique. Why don't I have my cursor of mouse, mother fucker? Because. T'es pas drôle là. Alors, fermons tout ce qui est absolument inutile. Pim pam poum, patapoum. De ce côté absolument inutile, il n'y aura pas grand chose. Je rebascule sur le jeu, sinon je le relance, ce sera beaucoup plus simple et je meublerai en racontant n'importe quoi, vous avez super l'habitude. Ouais non mais le jeu là me fait chier, donc ça va être un bon altab, un bon kill de task, peu importe que ça ne plaise pas à Steam. Fermez the fenêtre, yes, ferme-la. Par la main, comme dirait quelqu'un d'autre. Et on relance cette merdouille en croisant les doigts. Jouer. Normalement, toute logique, vous devez avoir l'image. Donc, je ne me fais pas de soucis. Chaos, si tu as l'idée de passer sur le stream et me faire un check en réponse avec. Même pas avec Twitter, puisque j'aurai pas l'info vu que mon screen n'est pas rafraîchi. C'est pas important, on va trouver moyen d'y arriver. Alors, le truc quand même super marrant, c'est que je n'ai pas de clavier, je n'ai pas de souris. Ok, on va jouer tout au stick. Eh ben c'est parti. Nouveau. Oui. Alors, 20 ans de cette licence, et je disais que c'était un jeu qui avait été controversé. Parce que c'était parti quand même sur le principe d'un jeu exploration, role-playing... en mode post-apocalyptique qui avait fait grand bruit à l'époque de sa sortie, puisqu'il y avait un scénario touffu, un environnement vraiment déjà bossé malgré les limitations techniques des babas, et puis un gameplay qui était présent et qui a marqué beaucoup de monde, puisque en fait votre personnage n'interagissait pas tout seul, et tout ce qu'il faisait dans le monde dans lequel il était plongé avait des répercussions à plus ou moins longue échéance. Je vous laisse apprécier l'intro. J'en profite aussi, je ne l'ai pas vu. La guerre ne meurt jamais. Je vais peut-être mettre mon casque, parce que si j'entends pas les dialogues, je vais en chier pour l'émission. 1945. Mon arrière-arrière-grand-père qui servait dans l'armée.
retrouverait sa femme et son fils, qu'il n'avait encore jamais vu. Son souhait a été exaucé lorsque les Américains ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale en lâchant des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le monde croyait courir à sa perte, mais en réalité, un miracle s'est produit. Nous avons commencé à utiliser l'énergie atomique à des fins différentes, comme source d'énergie presque illimitée. Nous avons alors eu accès à une technologie qui semblait relever de la science-fiction. Des robots domestiques, des voitures équipées de moteurs à fusion, et des ordinateurs portables. Mais au 21e siècle, le rêve américain s'est dissipé. Toutes ces années de consommation de masse a entraîné une pénurie généralisée de matières premières. Le monde entier est tombé en ruine. La paix n'était plus qu'un lointain souvenir. Nous sommes en l'an 2077, à l'aube d'une guerre totale. Et j'ai peur. Il y a une chose que j'ai apprise à l'armée. C'est que la guerre ne meurt jamais. La guerre ne meurt jamais. Tu vas les épater ce soir à la réunion des vétérans. Tu crois ? Évidemment. Maintenant, arrête de t'admirer et file te préparer. Bien. On va essayer de faire bref. Hein. Donc, terminé. Ça nous arrange tous. Ok, on est plongé donc directement dans l'univers du jeu. Faut rappeler que Fallout, donc, 4 épisodes, et en fait, il y en a plus, parce qu'il y a eu un épisode intermédiaire qui s'est glissé dans les différents volumes. Ça a été une licence qui a été assez controversée, puisque au début, comme je le disais, c'était quand même vachement axé role-playing. Un marteau, ça sert toujours, pourtant c'est dommage qu'on ne puisse pas le prendre. Et donc, au fil des épisodes, en fait, et ouais, et au fil des épisodes, en fait, les développeurs, qui sont loin d'être bêtes, ont essayé de renouveler la licence en lui insufflant différentes manières de jouer, histoire de renouveler un petit peu le gameplay, puisque c'est quand même une team de passionnés qui a développé un produit énorme comme ça. Et le jeu s'est pas mal fait critiquer, notamment sur le troisième Fallout, quand le gameplay est devenu un petit peu trop FPS, au goût de certains... entre autres les vieux de la vieille qui avaient l'habitude de la partie bien en role-playing game. Je n'étais pas trop pour au début, mais Cotsworth, c'est très gentil avec Sean. Et donc, ce Fallout 4, je ne le connais pas du tout. Et en fait, je ne connais guère les autres, puisque je les ai parcourus, mais j'en ai pas fini un seul de mémoire, il me semble. J'espère que le café est à votre goût, monsieur. C'est ça que j'aurais dû préparer pour ce stream, un café. Tu peux aller ouvrir ? C'est sans doute ce représentant. On passe tous les jours. Allez ouvrir ? Oui, j'y vais, chérie, pas de problème. Faut juste que je trouve la porte. Tu es moche. Société Voltec. Voltec ? Qu'est-ce que vous faites déjà ? C'est pour vous que nous sommes là. Et pour assurer votre avenir. Chez Voltec, nous sommes à la pointe des abris souterrains anti-atomiques les plus modernes.
de vrais appartements de luxe, où vous pourrez attendre confortablement la fin de l'hiver nucléaire. Vous n'imaginez pas combien je suis heureux de pouvoir enfin vous parler. Ça fait des jours que j'essaie. C'est vraiment une question de vie ou de mort, croyez-moi. Qu'est-ce qu'il y a de si important ? Mais rien de moins que votre avenir. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, ce pays court droit à la catastrophe. Excusez ma franchise, mais la fin du monde est, disons, plus ou moins inévitable, j'en ai peur. Et elle risque de survenir plus tôt que vous ne le pensez. Mais je sais que vous êtes occupé, donc ça ne prendra pas beaucoup de temps. Le temps est un bien précieux. Je suis venu vous annoncer qu'au nom du service que votre famille a rendu au pays, une place vous a été spécialement réservée dans l'abri du quartier. L'abri 111. Il y a de la place pour toute ma famille, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Sauf pour votre robot, naturellement. En fait, vous avez déjà accès à l'abri. Il faut simplement que je vérifie certaines informations. Je ne voudrais pas que vous ayez des problèmes en cas d'imprévu comme destruction atomique à l'échelle mondiale. Ça ne prendra qu'un instant. Vivement la fin du monde. Ça me plaît. Alors, voyons. Alors, comme dans tout bon jeu de rôle, on a des points dès le début à répartir pour spécialiser un petit chouïa son personnage. 21 points à répartir sur cette compétence. M'est avis que je vais me faire un bon bourrin. Donc là, d'office. Perception, c'est important. Endurance, c'est important. Charisme, pour l'instant, je m'en tape. Intelligence, c'est régulièrement utilisé contre les pièges et pour ouvrir les issues et autres choses qui résistent. Il nécessiterait des codes ou astuces. Agilité, ça doit servir. Chance, vu que j'en ai jamais, je vais en prendre. Et maintenant, on va se typer un peu le perso. Donc, Bourinos. Perception. Endurance de bourrin. Charisme. Mieux vaut être agile. On va continuer la personnalisation. Allez, on va se mettre devant charisme quand même par compassion pour le reste de l'humanité. C'est bien pour pouvoir fuir aussi. Hop, et un petit coup d'agilité et on devrait être pas mal. Formidable, je crois que c'est tout. Je n'ai plus qu'à ramener tout ça à l'abri. Félicitations, vous venez d'assurer votre avenir. Merci encore. Écoute, c'est pour être tranquille. Ça vaut bien quelques minutes de paperasse, non ? Ah, ce que je ne ferai pas pour Sean et toi. Bonne réponse. N'est-ce pas ? Chérie, veux-tu bien aller changer les couches ? Non, c'est moi qui vais mettre les doigts. Oh, t'es un amour, mon robot. Hey, Cotsworth. Tu as entendu Cotsworth ? Allez, allez. Si je puis me permettre, il faudrait que vous vous occupiez personnellement de Sean. Un enfant a besoin de son père. C'est normal. Ouais, attends, je regarde ce numéro de Grognac. Dans la jungle des bébés vampires. Grognac. Mais ne serait-ce pas l'équivalent de notre raon national ? Vite, vite, je dois tourner le coutelas pour savoir où je vais, dans quelle grotte. Le complexe d'Oedipe n'est pas loin, mais bon. Gabozu. Comment vont mes hommes préférés ? Fais tourner un peu le mobile. Il adore ça. Déjà des missions très très compliquées dès le démarrage. Comment se porte mon petit bonhomme ? Ça va mieux ? Dis, je pensais qu'on pourrait aller faire un tour au parc après le petit déjeuner. Le temps devrait se maintenir. Ce sera comme cette nuit dans le parc il y a un an. Madame ? Monsieur ? Je crois que vous devriez venir voir ça. Qu'est-ce qui se passe, Cotsworth ?
d'explosion. Nous essayons d'en savoir plus. Quoi? On m'indique que nous avons perdu le contact avec nos autres studios. Les sources sûres nous confirment que... Oui. Oui, des explosions nucléaires sont confirmées à New York et en Pennsylvanie. Oh mon Dieu. Je fais un petit check du stream, enfin du chat, pour voir s'il y a des problèmes notoires. Apparemment non, personne ne commente. Donc j'imagine que tout se déroule parfaitement dans le meilleur des mondes. Hop. Faut qu'on aille à l'abri. Vite. J'ai Sean avec moi. Allons-y. Habitants de Sanctuary Hills, si vous êtes inscrits, rendez-vous immédiatement à l'abri 111. L'abri est par ici. Allez. Allons jusqu'à la côte. Ça devrait être plus loin. C'est pas le cas. Ne pleure pas. Vous avez accès à l'abri. Venez. Laisse les valises. Aide-moi à tout faire rentrer. Tous les postulants pour l'abri, enregistrez-vous à la porte. C'est absurde. C'est moi, Voltaire. Si vous n'êtes pas sur la liste, vous ne rentrez pas. Si je rentre, vous ne m'arrêterez pas. Oh non. Inscrit, avancez, sinon rentrez chez vous. Laissez-nous entrer, on est sur la liste. Enfant, femme adulte. Vous nous laissez entrer? Femme adulte. Ils peuvent pas nous laisser là. Merci. Bonne chance, madame. Dieu nous vienne en aide. Hé, trésor. On y est presque. Ça y est, on arrive. On est coincés ici. Vous deux, suivez-moi, allez. Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont de l'autre côté de la barrière? On fait tout ce qu'on peut. Allez, dépêchez-vous. Monsieur, il faut descendre dans l'abri. Montez sur la plateforme. Montez sur la plateforme. Mettez-vous au milieu. On y est presque. Tout ira bien. Je vous aime. Tous les deux. On t'aime aussi. Oh, oh non! Vite! Vite! Descendez tout de suite! Accroche-toi! On peut pas aller plus vite! Oh, aidez-moi! J'en profite pour couper mon retour vidéo qui est d'une totale inutilité. Hein. Mais on continue le stream, vous inquiétez pas. Et encore un petit merdage du driver vidéo. Décidément, ça va être le stream de toutes les emmerdes. On a réussi. On y est. Tout va bien. Sortez tous de l'ascenseur et montez les escaliers. En ordre, s'il vous plaît. Inutile de s'alarmer. Vous allez tous intégrer vos nouveaux logements. Bienvenue dans l'abri 111. Un avenir meilleur sous terre. Donc là, on doit... Montez l'escalier. Allez. Je n'arrive pas à le croire. Si on était parti une minute plus tard... N'y pensez plus. On serait tous... Vous êtes en sécurité. Merci d'avancer en ordre. Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux résidents. C'est bon. Mais par ici. Mais par ici. Femme. Homme. Approchez-vous de la table. Prenez une combinaison. Il vous faut une combinaison pour accéder au reste de l'abri. Merci. Et maintenant ? Suivez le médecin. Il vous montrera où vous rendre ensuite. Bon, vous trois, suivez-moi. Tu vois ? C'est notre nouvelle maison. Oh, vous serez bien ici. C'est l'un de nos complexes les plus modernes. Cela dit, les autres ne sont pas mal non plus. Là-bas, s'il vous plaît.
Excusez-moi. C'est par ici. Maintenant, suivez ce qu'on peut. On a tout perdu. Notre maison. Monsieur. Tout ce qu'on avait. Mes parents étaient à Washington. Combien de temps est-ce qu'on va rester ici? On vous expliquera tout ça lors de l'orientation. Mais d'abord, on va commencer par un examen médical. Vous serez bien ici. Ça me va bien, non? La combinaison de l'abri est conçue pour être aussi confortable que chic. On est parés pour l'avenir, pas vrai? Vous avez une famille adorable. J'espère que vous vous ferez à votre nouvelle maison. Entrez là-dedans et enfilez votre combinaison. Chut, trésor. Avant de pouvoir aller plus loin, vous devez être décontaminé et dépressurisé. C'est une nouvelle vie qui commence. Résident sécurisé. Fonction vitale de l'occupant, normale. Procédure terminée. Dans 5, 4, 3, 2... Je crois qu'ils ont confondu décontamination et produits surgelés. Donc nous avons bien été cryogénisés, et où quand nous réveillons-nous? Là est la grande question. C'est pas très sympa, ça. Parce que, normalement, tu te rendors pas avec de très très beaux rêves en perspective. Ceci dit, rêve-t-on une fois cryogénisé? C'est la grande question. La logique voudrait que non. Il y avoir une ouverture. Allez, allez, allez. Oh non. Je découvrirai qui a fait ça. Et je retrouverai Sean. Je te le promets. Bon, apparemment, on veut pas trop que je tripote les appareils du coin. Alors, gâchette gauche pour se protéger. Gâchette droite pour éventuellement communiquer avec des amis. Tu me le prends, mon marteau, s'il te plaît. Tout.
tout est bon à prendre, hein. C'est un peu comme dans le cochon. Alors, il n'y a pas un truc qui permet de tout prendre, mais il n'y a rien dans cette boîte à outils, donc... c'est de la daube. Ok. Alors, ces fameuses histoires d'abris supposés protéger la civilisation de l'extinction finale est tout à fait récurrente dans tous les épisodes de Fallout. Et à chaque fois, c'est un sacré bordel pour pouvoir se sortir de ça. Donc je pense que le stream va être long, ne serait-ce que sur la partie tutoriel, hein, vous m'excuserez. Mais de toute façon, tout le monde est obligé d'y passer. Et là, j'ai un plantage qui n'est même pas dû au jeu, même pas à la carte vidéo, mais à une unité amovible qui est en train de se manifester pile au moment où on n'a pas besoin. Ok, non, mais tu viens de cliquer sur un truc qu'il fallait pas. Le stream de l'emmerdement Maxima. Donc l'intelligence voudrait que je garde cette information dans un coin de ma tête, puisque le seul moyen de pouvoir ouvrir ce damné abri sera d'utiliser un signal d'alerte. Ah non, mais j'ai déjà vu ça. Oula, nous sommes en 2070 et quelques. Nous, les glaçons, c'est pas très sympa comme terme pour parler des produits congelés. La misère humaine en vase clos. Donc il me semble logique de... Il me semble logique d'envisager une fuite dans les meilleurs délais. C'est d'où je viens, ça, oui. Est-ce que j'ai pas un bout de map d'ailleurs? Faudrait que je m'en inquiète, ce serait bien. L'autre touche. Non, c'est pour changer de vue. Ok. Ce sera peut-être un petit peu plus glamour comme ça pour le stream. Ce bordel, c'est à peu près ce que j'étais en train de me dire. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Un clone de Donkey Kong. Oh, et aussi jouable que le Donkey Kong original. Faut que je termine. Oula, c'est pas gagné, mon ami. Ah. On va arrêter là. Hein. Je peux avoir un petit game over? Non. Mais quelle saloperie! Non, merci. Ah d'accord, oui, les zones de mise en surbrillance des objets sur lesquels on peut interagir sont pas super super top. Un grille-pain, ça s'échange. Évier, boire. Oui, ce qui est toujours mieux que la cuvette des WC d'ailleurs. Bon, enfin. Avançons, avançons, avançons. Toujours pas de map, les amis. On va peut-être éviter cette zone. Ce cafard, il a l'air très très bien. Moi, je m'en passe volontiers. Bastonner des cafards à coups de poing, ça me fait rire quand même. Est-ce que j'ai un pseudo inventaire ou une connerie comme ça sous la main? Non. L'inventaire, je dois avoir. Ok, pour l'instant, de l'inventaire, je vais me passer apparemment. Ah, un monsieur qui est en pleine sieste. Où sont tous les autres? Alors la traduction activée utilisée à foison et qui n'est pas le bon terme, c'est un poil choquant pour un jeu de ce niveau. Mais bon, c'est un détail. On va pas se fâcher pour si peu. Évite de mourir avant d'avoir fait le moindre truc. Parce que c'est le genre de fail qui est purement non nécessaire. Bon, principe habituel hein, pour la visée. C'est tout ce qu'il reste. Une gâchette pour viser, la seconde pour déclencher. Rien de révolutionnaire ou d'extraordinaire. Ok. Croix directionnelle pour les changements d'armes rapides ou s'équiper d'éventuelles choses pour se soigner. Hey.
je reviens. Deux pistolets, c'est toujours mieux qu'un. Il y a sûrement un terminal quelque part. Et là, on va voir si j'ai bien suivi les streams de Chaos. Car je sens que je vais devoir hacker. Mais je peux plus me battre à coups de poing du coup. Ok. No problème, module. Et voilà, donc. Pas super pratique le système. Hein. Ouh là 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 là. Mon dieu, mais il date de con ce damné. Toutes ces cartouches pour des concres là quand même, si c'est pas du gâchis. Alors, moi, je joue au pack, franchement, ça ne m'exalte pas plus que ça. Et le problème étant que j'ai pas d'option clavier souris, là. Ça me manque. Je vais regarder rapidos dans les options si je peux pas me réactiver mon bon vieux clavier. Parce que moi, jouer comme ça au pad, c'est une difficulté en plus gratuite. Manette. 100. Ah, putain, ça va mieux. Alors, le problème, c'est que le clavier est configuré en anglais, bordel de... On va rester donc avec cette saloperie de pad. Ah, mais c'est vraiment pas de gaieté de cœur. C'est les petits détails comme ça qui vous foutent en l'air le plaisir de démarrer un jeu. Oui, je fais mon vieux gronchon, mais je peux me permettre. Et vie. Retournons-y, je vais viser comme une patate avec mon flingue. Et je crois que je viens de faire bugger le jeu. C'est vraiment le stream de l'emmerdement maximal, sérieux. Je ne peux plus bouger là, en fait, pour être précis. Allez, ok. Alors. Viendez, concre la baveux. Oh, que c'est chiant de jouer au pad, putain. Est-ce qu'il y a des survivants? Ils ont pu sortir? Non, ça me va pas du tout, cette interface. Là, je suis pas trop étonné que... Alors, je ne sais pas si ce jeu a eu des louanges de la presse et des joueurs du monde entier. Mais très honnêtement, moi, ce type d'interface, je le trouve minable. Mais minable au possible. Et au pad, c'est... au pad, ça frise de bondage, quoi. Non, mais regardez-moi ça. Je suis obligé de tirer comme une patate. Apparemment, oui, je suis obligé de tirer comme une patate. Oh, c'est un drame. Ok, d'accord. Toi aussi, bonne journée.
Squelette activé. Je ne supporte pas cette traduction faite avec le cul, qui est complètement honteuse pour un jeu de ce gabarit, quoi. C'est des petits détails comme ça où vous faites, mais attends les mecs. Un correcteur, ça coûte si cher que ça, quoi. Un relecteur. Si j'avais un petit bout de... Ben, je suis revenu à mon point de départ, tiens d'ailleurs. Un petit bout de map, ça me ferait pas de mal. Si c'est mon point de départ, il y a quelqu'un qui... Non, qui est toujours là, c'est bon. Ok, Dagdog. Il n'y a pas d'issue là-bas. Alors non, je suis pas très très enthousiaste. Et vous comprendrez donc pourquoi j'ai jamais vraiment fini un Fallout. C'est que le jeu m'avait un peu gonflé avant même que je puisse profiter de ses subtilités. Qu'est-ce que c'est? On ne saura pas, ce n'est rien. Par contre, il y avait un truc, dès qu'on passe dessus, là, ça clignotait, sauf erreur de ma part. Ça fait un peu rétro, ce type d'interface. Je sais pas, fous les objets en surbrillance, mon pote. C'est peut-être plus évident et un peu plus limpide pour la lecture. Là, j'en viens, j'ai récupéré des trucs. Là, ça, je ne peux pas. Il va falloir que mon curseur survole donc un endroit qui est prévu pour, mais je ne sais pas où il est, j'ai l'air d'un con. Je pense que c'est la situation actuelle qui est parfaitement résumée, quoi. Vu que ça m'a contrarié, je vais me couler un... Non? Ok. Mais pourtant, c'était le moment opportun, parce que là, le jeu commence à me gonfler un peu, quand même. Sur ce mec-là, il n'y a pas un pass, une connerie? Non, rien. Oula, monsieur ne s'est pas sauté. Alors ça, j'ai pas lu tout à l'heure. Le Svav. Et du coup, je ne sais pas trop à quoi ça sert. J'ai pas trop pigé. De toute façon, on va tourner en rond jusqu'à ce qu'on comprenne. On n'est pas plus idiot que la moyenne. Il n'y a plus que moi. Eh oui, il n'y a plus que toi, mon pote. Et c'est Cancrola, si tu veux. Oh, que j'aime pas cette interface, nom de Zeus. Et là, je reviens encore à mon point de départ. One more time. Je commence à comprendre doucement pourquoi ils l'ont mis gratuit, ce truc. Non, je suis médisant, mais... Alors, je sais plus en quelle année il est sorti ce Fallout 4. Il doit avoir quand même quelques années, je pense. Il doit avoir 3-4 ans, non? Je sais pas. Dormir, tiens. C'est ce que j'ai. Je m'arrête. Pourtant, c'est ce que j'avais de mieux à faire. Il accuse déjà un petit coup de vieux quand même. Bon, c'est mon avis tout personnel. Mais. Je sais pas, niveau interface, on fait quand même des choses un petit peu plus. Pratiques, ergonomiques aujourd'hui. Ce qu'on est obligé de subir là, je vais changer de vue parce que la vue extérieure là, ça putain. Ok, au moins j'ai un saut, c'est déjà ça. Ah, puis cette zone d'affichage là, qu'on surpasse, qu'on passe sur un objet. C'est un poil gonflant en fait. Parce qu'elle est à la fois précise, vague, c'est le flou total. Et c'est surtout la merde totale, je crois. Alors là, j'étais sûr. Ah! J'ai tout lu ça.
Ah, tuez-moi, 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 tuez-moi. Il est fort probable que d'ici 5 minutes, je vous propose de faire une pause en musique, le temps que moi je me fasse un petit setup du jeu au clavier. Je vous laisserai en musique, je couperai pas le stream, histoire d'être peinard. Ce sera très très bien pour tout le monde là, parce que moi, pour l'instant, l'interface m'insupporte relativement. Et j'ai vraiment pas l'intention de me tartiner tout le jeu avec ce mode de contrôle complètement naze au pad. Oui, j'ai bien vu l'objectif, mais tu vois, gars. Il y a des moments. Oh putain, c'est ça qu'il fallait ramasser tant que tu n'as pas passé ton curseur dessus. Tu n'as pas ton Pip-Boy, le fameux Pip-Boy, le bracelet qui permet d'augmenter vos capacités et d'avoir des tas de fonctions, y compris cette fucking map que je désespérais de croiser. Je fais un petit check du chat pour voir s'il n'y a pas de drame dramatique. Apparemment, tout se passe bien. Vous avez le stream. J'espère que vous avez l'audio. Alors, comment qui marche ce PPR? Ma santé, mes capacités, mon armement, mes protections. D'accord, c'est ici que je pourrais répartir mes points. Ok, voilà qui est un peu plus clair. Oh, l'interface. Je vous propose de vous faire la petite pause musicale tout de suite, le temps que je fasse un réglage des contrôles. Et on se retrouve sous moins de 5 minutes. On va laisser passer ça. Bon, un désavantage par rapport au dernier Fallout que j'avais essayé, c'est que on sort de l'abri relativement vite. Je rappelle que je vais faire une petite coupure pour faire mon setup clavier parce que au pad c'est relativement insupportable. Alors je vous abandonne pas, je vous laisse en musique. Oh.
Et oui, les joies et les hasards du monde post-atomique. Ça donne envie. Hein. Je vous laisse sur cette petite vue, avec un petit peu de musique. Pas celle-là. Je vais attendre que la musique du jeu se barre, peut-être. Quoique non, quand je vais basculer, vous ne l'aurez plus, et vous aurez l'autre stream musical. Donc, prenez pas peur, petite pause, le temps que je fasse mon setup, et on repart aussi sec. C'est vraiment fait avec le cul, cette interface. Bon, désolé pour la petite coupure, mais fallait vraiment que je me débarrasse de ça. Je verrai les autres commandes au fur et à mesure de leur potentielle utilité. Bref. C'est vraiment dommage que ce genre de jeu soit pas capable de... soit pas capable d'avoir fait un effort dans les...
dans les soucis d'interface potentiels qu'on pouvait rencontrer. Je vous enlève la musique parce que vous risquez d'y prendre goût. Même à la souris, le tir reste une merde sans nom, c'est incroyable. Je suis en 2018, mais j'ai de la peine, là. Aïe, 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 aïe. Alors, cette approximation du curseur, franchement. Moi, c'est les genres de détails, je suis désolé, mais... oui, je peux me permettre de faire mon vieux connard avec plus de 20 années de jeux vidéo dans les dents. Quand on me fait ça, juste pour ça, j'ai pas envie de jouer. Ça me casse les grelots. Et je pense que déjà, les anciens Fallout, sauf peut-être un des derniers, donc ça devait être le dernier ou l'avant-dernier, avant le 4, je les ai tous lâchés parce que leurs interfaces étaient juste purement à chier, quoi. Alors, je sais que les gens qui adorent ce genre de jeu, eux, savent tolérer ce détail. Mais moi, j'avoue que dans les RPG et tout ça, je suis plutôt en mode un peu casual et j'ai pas envie de me prendre la courge avec 10 000 options, 10 000 choses à chercher. Et 10 000 pertes de temps qui font qu'un jeu qu'on peut boucler en 15 heures, on va passer 90 heures dessus, parce qu'il a une interface qui a été programmée d'une manière pas toujours limpide. Alors l'autre chose que je réalise, c'est que ce jeu à streamer est purement inintéressant, parce qu'en fait c'est d'exploration, et vu que je ne sais absolument pas où je vais, et qu'il va falloir que je fouille et que j'examine de partout, ça va être un poil pénible à regarder. Donc du coup, moi qui étais parti sur un stream longue durée, il est fort probable qu'on s'arrête au bout de la petite heure réglementaire. Et qu'il soit raisonnable que je vous restream peut-être le jeu plus tard. Quand j'aurai avancé dedans, je me serai un peu équipé, qu'il y aura plus de phases d'action. Parce que regarder un zozo qui cherche dans un environnement, c'est jamais très très glamour. Surtout quand le zozo n'est pas particulièrement au fait de tout ce qui se passe. À poil. Il est trop cuit ce chien. Alors si j'avais un bout de map affichable, affichable sans prendre la tête, comme en appuyant sur M. Merci. Ce serait plutôt pas mal. Abri, j'en viens. Ça, c'est WAM. Ça, c'est Sanctuaire. Entrez chez vous. On s'en fout un peu. Qu'est-ce qu'il y a sur les radios? Il n'y a absolument rien. Ok, donc il faut que j'aille. Il faut que j'aille chez moi. C'est bien là-bas. Hop. Donc mon objectif. Par où je passe? Au plus court. Et
bah, au plus court, tu reprends ton pont, tonton, et tu refais tout le trajet inverse. Ernest. Ah non, pas le lac bleu. Pas le lac des cygnes. Non. Non. Sors de ce jeu, Stanley Kubrick. Va-t'en. Avant que mon courroux et ma colère ne se déchaînent ENT. Car trop, c'est trop. Regardez-moi cette belle pastèque. Sûrement radioactive. Des melons, c'est pareil. C'est que du bon. Surtout s'il y a du neutron. Mais t'as vu que j'ai pas fini de farfouiller de partout. Hein. Je suis en mode 2000, hein. Moi, je suis pas du tout dans le jeu là. Désolé. Je vais fabriquer une maison du mobilier. Eh bien, je vais rien fabriquer du tout en fait, les amis, parce que il est un petit peu trop tôt et je ne connais pas vraiment ce dont j'ai besoin. On va juste regarder les ressources. Peut-être que fabriquer de l'eau quand même, c'est pas débile. Et je n'ai pas ce qu'il faut. D'accord, donc il y a toute une partie craft qui va vous prendre un temps, ma foi, conséquent, il me semble. Et qu'on ne va pas prendre hélico. Oh mon robot, te revoilà mon choupiné. Bah vie. What the fuck happened? Cette interface. Je signale pour lancer les dialogues, j'ai la main gauche sur les touches lettrées pour se déplacer, la droite sur la souris, et donc pour les dialogues, il faut que je sorte ma... pour appuyer sur les flèches du clavier, ou que je lâche ma souris éventuellement. Ils sont entrés dans l'abri. Tu les as peut-être vus. Ils étaient armés, et ils portaient des tenues étranges. Sincèrement, cette femme a un de ses toupets de laisser son enfant sans surveillance. Ce n'est pas toute votre famille, monsieur. Madame et vous avez toujours été des parents responsables. Où est-elle, d'ailleurs? Ils l'ont tué. Monsieur, ces choses que vous dites, ces choses affreuses, je crois que vous avez besoin d'une distraction. Oui, une distraction pour lutter contre cette déprime. Cela fait une éternité que nous n'avons pas pratiqué d'activité familiale. Nous pourrions peut-être jouer aux dames, ou pourquoi pas aux charades. Sean adore ce jeu. Est-il avec vous? Sean a été kidnappé. Mais je vais le retrouver. Je vais le reprendre, mon fils. C'est encore pire que ce que je pensais. Vous souffrez de paranoïa qui est sûrement due à la faim. C'est le genre de choses qui arrivent quand on ne mange pas pendant 200 ans dans les peurs. Mais dis-moi ce qui se passe, merde! 200 ans, c'est complètement dingue! Un peu plus de 210 ans, en fait, monsieur. Plus ou moins quelques minutes, en raison de la rotation de la Terre et d'un léger souci de précision de mon vieux chronomètre. Cela signifie que vous avez deux bons siècles de retard pour le dîner. Souhaitez-vous que je vous prépare une petite collation? Oh oui. Oh oui. Quoi? À manger? D'accord, je... J'ai besoin de réfléchir quelques instants. Dans ce cas, je reviens tout de suite.
savez, j'ai réfléchi. S'il y a un souci, il se peut que votre famille se cache de la menace rouge. Oui, mais pourquoi tu m'as rapporté un god? La menace rouge. C'est quoi qu'il a dans sa papince? Maléfique. J'ai une idée. Et si nous cherchions ensemble? Après tout, madame et le jeune Shaun, c'est ma famille. À moi aussi. Alors, c'est marrant, c'est le... La voix du robot, j'ai l'impression que c'est le même doubleur qui a fait de manière très talentueuse le doublage dans Echo, le doublage de l'IA dans Echo. Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment le même doubleur. Alors apparemment, il s'est spécialisé dans les entités. Et bah, il fait ça avec talent, ce gars-là. Hein. C'est assez génial. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, Echo, je vous invite à regarder mes streams sur ce jeu qui est fait par un petit studio indé et qui est franchement super intéressant si on le compare à d'autres titres... que je ne nommerai pas et dans lequel je suis actuellement. parce que le boulot fait est juste fabuleux et le gameplay est super intéressant. Oh putain, les crochetages. Mais je suis pas bon à ça, moi, madame. Je me rappelle que j'ai pété une mine noire de crochet dans un précédent Fallout. Alors, tu joues avec le A. Ok. Ok, alors... Eh ben, faites un screenshot, c'est pas tous les jours que j'ouvre un coffre sans péter un truc dedans. Mon inventaire est immense, apparemment. Je suis vraiment pas ami avec cette interface, mais elle me le rend bien. Où est parti mon ami robot? Ami robot, où es-tu? Ne t'éloigne point trop, car une fois que je t'aurai perdu, je serai fort dépourvu. Tadam. Tadam. No jus, no TV. Ton, ton, ton. Hoi, 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 hoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Hoi, 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 hoi. Merde, à chaque fois je me gourde touche. Je me trouve un petit tutu. Bon, il n'y a que dalle ici.
Et j'en profite une fois de plus d'être dans un de ces jeux à inventaire infini. Dans quelle baraque il est parti, mon collègue, là? Hey, ami mécanique! Par où t'es-tu enfui? Ne me laisse point seul dans l'isolement et la tristesse. Il va vraiment falloir que je me fouille toutes les baraques. Je te hais, interface, je te hais. Un jeu de société, oui, bah pour les longues soirées, quoi. Il y a tellement, tellement de choses. Alors, je vais pas trop prolonger ce stream, parce que je me mets à votre place, et moi-même qui suis en train de jouer, je trouve déjà ça assez soporifique. Puis je vous ai mis quand même la radio qu'il fallait pour. Donc, ce que je vais faire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais avancer un poil dans le jeu, et puis j'essaierai de choper un passage où ça bouge un peu, qui mérite d'être streamé. En attendant, pour revenir à nos moutons, adieu, musique céleste. Bonjour à nouveau, musique énervée. Et donc, pour revenir à nos moutons, ce que je vais faire, je vais vous streamer le jeu quand j'aurai avancé, que j'aurai développé des trucs et essayer de choper une scène où ça bouge un petit peu, parce que je pense pas que Fallout 4 se résume uniquement à je loot, je cherche, je craft. Il va y avoir des passages assez intéressants niveau Tatane normalement, mais ça devrait être pas mal plus loin. Fallout 4 est gratos tout le week-end, je vous le rappelle, donc profitez-en si vous avez un compte Steam, vous vous connectez dès maintenant, vous mettez le bousin à télécharger, ça va prendre une petite heure si vous avez une connexion qui tient la route. Et puis vous pourrez prendre votre temps pour le parcourir, puisque malgré tout ce que j'ai râlé depuis le début du stream, il est tout à fait jouable. Si vous avez envie de vous faire une aventure post-apocalyptique et vous immerger vraiment dans le trip, il y a moyen de se faire plaisir. Prenez le temps de régler l'interface, vous avez vu qu'elle est un petit poil merdique au lancement. Et jouer au pad, franchement, c'est pas ce qu'on recommande, surtout quand on est sur le PC, quoi, c'est assez paradoxal. Et puis voilà, on a fait le tour. Je vous remets le screen de démarrage. Ouais, je vous remets le screen de démarrage. Non, ce n'était pas celui-là, mon ami. C'était celui-là. Je vous fais des bisous, on se retrouve bientôt. Il y aura du shmup demain à 19h. Aujourd'hui, c'était à 19h. Et en fait, toute la semaine, je cale tous les streams de jeux qui sont balancés sur The Big Game of Ski, tous les jours, 19h. Y compris les week-ends. Eh oui. Allez, des bisous, à tout bientôt. Pensez à jeter un œil à Fallout 4. C'est sympa qu'on vous accorde 4 jours de jeu dessus, sans débourser monnaie. Et on se retrouve tout bientôt. Ciao, ciao. Thank you.